Vous ne savez toujours pas comment les super-héros vont au cinéma? Alors regardez tout de suite notre nouvelle vidéo. C'est parti! Voilà le truc. Il n'y a aucun moyen d'aller au cinéma avec des bonbons. Pas même Thor. Quoi? Mais Thor n'est pas du tout d'accord. Non. Je pense que nous devons découvrir une fois pour toutes qui est le responsable ici. Lequel êtes-vous? Le gardien ou Thor? C'est un concours! Oui, on doit bien frapper au marteau. Pas si facile. Oh, je pense pas que ce gardien ait beaucoup de chance. Mais bon, ça dépend. Très bien, c'est au tour de Thor. Après tout, c'est un super-héros. Il doit bien y avoir quelque chose. Waouh! Quel coup! Le ballon est parti dans l'espace. Les gars l'ont complètement perdu de vue. Non seulement le pauvre garde a perdu, mais il a été frappé au front. Le concours est terminé. Alors n'hésitez pas à apporter les friandises dans la salle et à les déguster. Thor, bien sûr, en tant que vainqueur légitime, sera également dans la salle, alors que le film est sur le point de commencer. Ouais, le garde est plus en colère que jamais. Oui, il va se promener avec ses feuilles noires pendant longtemps. Non seulement plus de bonbons, mais plus de super-héros. Point final. Oh, man. Spider-Man? What? Hey, mon pote, c'est pas le bon moment. Et avec une sucette. Et le garde a l'intention de se battre et d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas le moment de dormir. Après tout, il se passe toujours quelque chose dans cette salle de cinéma. C'est encore ce Spider-Man. Eh bien, il y a quelque chose à faire à ce sujet. Ce type ne devrait pas aller dans le théâtre. Il devrait sortir d'ici. Ant-Man ne s'attendait pas à ce que Spider-Man passe devant lui. C'est bizarre, non? Oh non! Il ne sait pas encore quelles sont les règles. Ouais, il ne peut pas non plus. Mais tout peut être arrangé quand on a une idée en tête. Donc, Ant-Man prépare quelque chose. Voyons voir. Oh, cool! Il va juste entrer dans le hall dans un véhicule privé. Génie! L'agent de sécurité ne devinera jamais ce qui se passe vraiment ici. What? Grâce à ces deux filles cool, elles sont si gentilles qu'elles te laissent monter dans leur voiture. Et bien sûr, Ant-Man ne reste pas redevable. Une friandise pour ses sauveuses. Le garde s'ennuie. Oui, mais nous autres, on doit se demander comment entrer dans la salle de cinéma. Par exemple, les Supergirl veulent vraiment aller au cinéma, tout comme Spider-Man. Heureusement qu'elle est si forte qu'elle peut le jeter dans le théâtre. Oh. Oups, ça n'a pas marché. Spider-Man n'a pas atteint son but. Ok, je suppose qu'on le refera la prochaine fois. En attendant, laissez-le s'asseoir ici. Et la glace va à la poubelle aussi. Ça avait l'air délicieux. Très bien, ça a mis Supergirl dans tous ses états. Assez de ça. En combat tête à tête. Les lasers sont en place. C'était censé être effrayant, mais au final, c'est très drôle. Notre Supergirl rentre dans la salle en cachette. Hé, gardien! Où est tout le monde? Et c'est alors que Supergirl est déjà dans le public? Ouais, tu dois savoir comment faire ça. Au fait, quelle est cette odeur? Waouh! Non seulement elle est venue dans la salle, mais il a apporté quelque chose avec elle. C'est une pizza! On fait un festin? Thank you. Voici le ticket. Ok. Oh, qui est le mystérieux effrayant? What?
fait, qu'est-ce qu'il y a avec l'agent de sécurité? Une sorte d'éternuement bizarre. Et il est seulement allergique au chat? Les éternuements sont si forts que les manteaux se sont envolés comme un coup de vent. Eh bien voilà, notre gars juste là de nouveau. Le garde est furieux. Non seulement les super-héros se sont montrés, mais l'un d'entre eux est un chat. Au fait que quelqu'un aide Superman, ou il ne sera jamais capable de porter la cape lui-même. Mais d'un autre côté, il a éteint les lumières. Et dans le noir, Catwoman peut très bien voir, contrairement à tout le monde. Hé, gardien, tu ne trouves personne. Eh bien, sauf pour ce personnage juste là. Honnêtement, il est déjà un peu pathétique. Et les filles sont déjà dans la salle, s'amusant et mangeant des bonbons. C'était une grande soirée. Les agents de sécurité sont très responsables dans leur travail. Si quelqu'un éveille des soupçons, il ne peut pas entrer dans la hall. Laissez ce type étrange montrer ce qu'il a sous sa veste. Très bien. C'est Spider-Man qui est de retour ici avec les bonbons. Une fois de plus, ça n'a pas très bien marché. D'accord, qui c'est? Oh, c'est Iron Man, le gars populaire. Au fait, regardez bien. Je crois que c'est juste un type avec un masque. Il pense qu'il a l'air cool, mais il est juste très drôle. Oui, les filles ne pensent manifestement pas que c'est un héros. Il veut se battre pour montrer qu'il est cool. Mais il est juste drôle. C'est un bonbon? Eh bien, en quelque sorte. Non. Ça ne compte même pas pour des bonbons. C'est rien. Il n'y a pas de quoi s'offenser. L'agent de sécurité ne fait exception pour personne. La nourriture va à la poubelle. Alors, qu'est-ce que cette jolie fille doit faire? En fait, n'oublions pas qu'elle a de grands super pouvoirs. Et elle a déjà quelque chose en tête. Elle va vite déguiser ses bonbons et ceux de Supergirl. Et puis quoi? Regardez! Qui c'est? C'est juste une maman qui veut se reposer au cinéma. Quel joli bébé! L'agent de sécurité voulait grimacer, sauf qu'il en a fait trop. Ouais. Quand tu attrapes des super-héros toute la journée, les choses commencent à devenir bizarres. Et les super-héros rusés sont confortablement installés dans le public et prêts à regarder le film. Mais ils ont d'abord besoin d'un petit rafraîchissement. Et voici Spider-Man, qui décide à nouveau d'être plus intelligent que tout le monde. Bye bye. Trouvez quelque chose de mieux. Que serait un cinéma sans popcorn? Popcorn. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Et la machine est cassée. Supergirl ne peut pas imaginer un film sans popcorn. Non non plus. Regardez la super solution qu'elle a trouvée. Et voici la friandise chaude. Oui, c'est la bonne taille. Oh, nous y revoilà, Spider-Man. Attends-toi à des surprises. Ok. Au fait, ces deux-là vont-ils aller au cinéma ou pas? L'agent de sécurité est déterminé. Mais Batman ne se laisse pas faire non plus. Il résoudra le problème rapidement grâce à ses gadgets de super-héros. Non, ça n'a pas marché. Le truc du rideau est brillant. Mais comme d'habitude, Spider-Man n'a pas de chance. Il n'a toujours pas réussi. Oh, il y a beaucoup de fumée dans la salle. Le super-héros a exagéré avec la bombe fumigène.
Et maintenant, ils ont une méchante douche. Ouais. L'agent de sécurité est déjà énervé. Mais il n'est pas le seul à être énervé. Il a ce type humble là-bas. Mais il faut être prudent avec lui. Il essaie de se contrôler, bien sûr. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il finit par être Hulk. Oui, les gars, faites attention maintenant. Sorry, man. La bonne décision est d'être amicale avec lui. La séance de photos ensemble est géniale. Mais il faut compter ses forces. Hulk passe juste dans la salle. Le gars n'a plus de force de résister. Donc Spider-Man passe aussi. C'est vraiment arrivé? Et maintenant, ils passent tous un bon moment ensemble. Que pensez-vous de cette superbe vidéo? Et notre bêtisier vous fera rire encore plus à la fin. Abonnez-vous et partagez avec vos amis.